Bon vendredi tout le monde. Eh bien, possible de mettre le nez dehors ce matin sans l'avoir constaté. C'est présentement glacial. On pourrait ressentir jusqu'à moins 50 avec le facteur vent dans certains secteurs. Et avec ce froid sibérien, eh bien, plusieurs établissements sont fermés par mesure de précaution. Alison, d'ailleurs, les sports d'hiver qui sont à éviter aujourd'hui. Oui, bien ça, c'est clair. Là, tous les mondes de ski de nos régions qui sont fermés, de même que les patinoires extérieures à Edmundston, les commissions scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup, Fleuve et des Lacs, c'est fermé également en raison des conditions qui sont extrêmes. Donc, c'est assez tranquille dehors, là, je vous dirais. Les rues qui sont quasiment désertes, de même que les chantiers de construction qui sont normalement actifs. Les facteurs qui semblent avoir déclaré forfait ce matin également. On peut seulement apercevoir des facteurs en voiture. Les seuls courageux, là, finalement, eh bien, ce sont ceux qui participent au concours intercollégial de sculpture sur glace et les collégiens qui sont en pause. Au Québec, on commence à être habitué un peu de ça. Prendre l'air frais, se reposer un petit peu avant de retourner travailler. L'important, c'est d'être bien habillé. Là. Mon collègue, il a bien respecté ça aussi. C'est important, là, finalement, d'éviter ces sorties si on le peut. Sinon, eh bien, de s'habiller chaudement, c'est la solution. Avec plusieurs épaisseurs de vêtements, de se couvrir la tête, finalement, mettre des mitaines plutôt que des gants ainsi que des bottes chaudes. L'important, là, eh bien, c'est de sortir sur une courte période de temps et d'éviter de transpirer également. Là. Donc, c'est pas le temps d'aller faire un marathon aujourd'hui. Rappelons évidemment que les signaux qui devraient vous alerter, eh bien, ce sont grelottements, picotements, frissons, engourdissements. Si l'un de ces symptômes se manifeste, eh bien, entrez donc, là, vous réchauffez quelques minutes. Ça va vous faire du bien et ça va éviter les engelures. Merci beaucoup, Alison. Merci, au revoir. Et Francis, justement, l'avertissement de froid extrême émis par Environnement Canada est toujours en vigueur, bien sûr. Tout à fait, Catherine. On sent déjà l'effet arctique alors que le vigoureux front froid impacte présentement nos régions jusqu'à demain matin. Donc, les mercures chuteront drastiquement dans les prochaines heures, accompagnées par de bonnes rafales. Par exemple, sur l'Île et Rivière-du-Loup, on prévoit des ressentis de moins 38 à moins 50 degrés jusqu'à samedi. Sur Charlevoix, les ressentis se situeront entre moins 38 et moins 55 degrés jusqu'à demain matin. Terminant sur Edmundston, on prévoit un facteur éolien entre moins 40 à moins 47 degrés jusqu'à samedi matin. On aura des rafales partout entre 50 à 70 km/h de cet après-midi à demain matin. Ça va diminuer par la suite. Les vents parfois forts occasionneront une visibilité réduite là, dans la poudrerie, donc les enjeux peuvent se développer là, en quelques minutes sur la peau exposée. Donc évidemment, la prudence sera de mise pour ceux qui doivent obligatoirement se déplacer. Merci beaucoup, Francis. À tantôt. À tantôt. Et le froid et le vent, justement, qui ont grandement nui au travail des pompiers. La nuit dernière, à la Malbaie, une résidence a été complètement détruite par les flammes. La seule occupante de la maison, située sur la rue Girard, a pu sortir par elle-même et n'a pas été blessée, heureusement, mais elle a tout perdu dans cet incendie. C'est un voisin qui a alerté les services d'urgence vers 1h20. Le feu, qui aurait pris naissance dans la cheminée, s'est rapidement propagé dans l'ensemble du bâtiment. Il a regardé par les fenêtres, puis il a vu que les flammes faisaient erreur au sol. Fait que là, on a basculé ça en feu de résidence. Puis à l'arrivée, on a rentré une équipe au sol pour tenter de circonscrire les flammes, mais on n'a pas réussi. Trop de fumée, trop de chaleur. Fait qu'il a fallu passer en mode défensif. Charlevoix accueillera en juin prochain le tout premier train propulsé à l'hydrogène vert en Amérique du Nord. Québec investit 3 millions de $ dans ce projet pilote afin de tester l'innovation. Réseau Charlevoix qui aura ainsi un quatrième convoi pour la saison touristique. Jérôme Gagnon. Dès cet été, les visiteurs de la région de Charlevoix pourront entrer dans ce train zéro émission. Il circulera entre Québec et Baie-Saint-Paul du mercredi au samedi à compter du 17 juin. Une fierté pour les ministres qui en ont fait l'annonce aujourd'hui à Québec. Je suis convaincu que ça va susciter de la curiosité, ça va susciter possiblement des projets semblables. Intitulé Coradia Highlint, ce convoi est la création du géant français Alstom. Il sera importé d'Europe au printemps, sera du même type que ceux en opération depuis 2018 en Allemagne et depuis peu en France. Son ravitaillement sera assuré par l'entreprise Arnois Énergie. Qui produit sa propre électricité. D'hydrogène, donc qui est équipé d'une pile à combustible et qui va donc permettre de faire rouler à peu près 120 passagers. Il s'agira d'ailleurs d'une vitrine technologique importante pour l'ensemble de la région, estime l'entreprise propriétaire de Chemin de fer Charlevoix depuis 2009. Cette vitrine technologique incarne bien la vision de groupe Le Massif, qui est de développer une montagne pour en assurer
sa pérennité. Le train a été construit sur le continent européen. Peut-on espérer qu'un contrat du genre soit réalisé un jour à l'usine d'Alstom de la Pocatière? Ce train, c'est avant tout une vitrine, c'est avant tout des essais, des tests, et le début d'une feuille de route assez ambitieuse pour nous permettre d'avoir des produits commerciaux à horizon 2030. Au total, la période d'essai de 3 à 4 mois coûtera 8 millions de dollars. L'investissement de 3 millions de Québec concernera uniquement la mise en service du train démonstration. Est-ce que dans l'investissement aujourd'hui, il y a de l'argent également qui sera remis à Chemin de fer Charlevoix pour l'opération du train de Charlevoix en général, pas seulement sur ce train-là en particulier? C'est pas pris, moi. Une fois la période test terminée, le train sera visiblement renvoyé en Europe. Aucun autre projet n'a été identifié pour que l'expérience se répète ailleurs au Québec. Jérôme Gagnon, CIMT TVA, à Québec. Une perquisition en matière de stupéfiants s'est déroulée ce matin dans une résidence de Rivière-du-Loup. La présence de plusieurs policiers a été observée sur la rue Alfred Fortin. La Sûreté du Québec confirme que des arrestations ont été effectuées. Impossible d'en savoir plus pour l'instant. La SQ doit dévoiler au cours de la journée les substances illégales qui ont été saisies. Un véhicule a percuté un poteau avec des feux de circulation hier vers 17h30 à Rivière-du-Loup, à l'angle du boulevard de l'Hôtel de Ville et de la rue Saint-Pierre. Le poteau qui est tombé au sol après l'impact, la personne au volant a subi des blessures légères et a été transportée à l'hôpital par mesure préventive. C'est la deuxième fois en quelques semaines que ce même poteau est arraché. Le vendredi 13 janvier, en pleine tempête de neige, un poids lourd l'avait également accroché. Un important colloque sur l'éducation se déroule jusqu'à ce soir à Claire, au Nouveau-Brunswick. Le centre d'apprentissage du Haut-Madawaska qui fait découvrir à des participants qui viennent de partout des pratiques pédagogiques avant-gardistes pour leur permettre de voir l'éducation autrement. Et Mylène, cette 12e édition qui fait un retour attendu après 2 ans. Oui, en effet, Catherine, on s'est rendu ce matin au centre d'apprentissage pour prendre part à ce colloque. Malgré les écoles fermées aujourd'hui, les étudiants sont bien présents pour dévoiler leurs projets créatifs, technologiques, culturels et sportifs. La pédagogie, en fait, se veut créative, innovante, tout en apprenant. Cette école primaire a fait salle comble hier soir pour son retour avec 350 participants, ravis, et se poursuit aujourd'hui avec des élèves heureux de partager leurs projets. Pour échanger, partager les pratiques gagnantes qu'on a dans chacune de nos écoles, puis comment on peut faire autrement en salle de classe. Lors de la cérémonie d'ouverture hier, les élèves ont présenté un défilé de mode avec des costumes conçus par les élèves du Labo Créatif et ont fait une prestation musicale pendant 1 heure. L'édition se poursuit jusqu'à ce soir avec la foire pédagogique et de nombreuses conférences. Merci, au revoir. Il n'y aura pas de pont de glace pour les véhicules cet hiver sur le lac Témiscouata, ce qui est plutôt rare. La municipalité de Saint-Just-du-Lac explique que la glace isolée par une bonne couche de neige est une épaisseur seulement de 5 pouces, ce qui n'est pas suffisant. Impossible d'embarquer de la machinerie de façon sécuritaire sur le lac. Après le début février, les élus considèrent aussi qu'il est trop tard pour que cette dépense soit rentable. Depuis 1920, il y a eu seulement 2 hivers où il n'y a eu aucun pont de glace en 2016 et en 2002. Des centaines d'automobilistes seront donc obligés de faire un détour de plus de 40 km. Les sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen. Démarrer l'année en beauté avec nos nouveaux modèles 2023. Les 3L ont un week-end chargé devant eux avec 2 matchs contre des équipes qui les devancent au classement. Bon, en fait, les 6 autres clubs de la Ligue nord-américaine devancent les 3L qui pointent au dernier rang avec 22 points. Ils seront à Sorel-Tracy ce soir pour y affronter les Éperviers avant de recevoir la Surantia de Thetford Mines demain au Centre Premier Tech. Rivière-du-Loup qui veut mettre fin, bien sûr, à une série de 4 revers consécutifs. C'est pas qu'on travaille pas, c'est pas qu'on travaille mal, c'est qu'on travaille par bout, des fois on travaille pas. On va chercher de la constance dans nos matchs. Ils vont faire du bien d'en jouer 2 en fin de semaine. Pour travailler sur des points. Ça fait 2 matchs qu'on joue 40 bonnes minutes, mais 40 bonnes minutes à ce temps-ci de l'année, tu gagnes plus tes matchs. Et après une saison très compétitive, les séries sont en cours dans le CRH du Nouveau-Brunswick. Le circuit régional de hockey qui est en éliminatoire après avoir vu le Dynamo de Kedgwick terminer au premier rang, une seule victoire devant les As de Saint-Basile, qui peuvent compter sur le meilleur marqueur de la Ligue, le dominant Kevin Gagné. Un hockeyeur d'Edmundston qui n'a plus besoin de présentation,
a récolté 45 points en seulement 18 matchs. Jusqu'à présent, les deux séries demi-finales 4 de 7 sont égales, une victoire de chaque côté. Les séries reprennent ce soir et les As vont en profiter pour rendre hommage aux anciens de l'organisation à l'occasion du 60e anniversaire de la Ligue républicaine. La météo, une présentation d'Accent Meubles et Déco Centre Levasseur. Aussi faire, Francis. La météo, ce sera extrêmement froid encore là, pour plusieurs heures. Absolument. Catherine, le mot d'ordre lors de nos déplacements extérieurs, là, c'est de s'habiller chaudement. On ne dira pas à jamais assez là, de ne pas avoir peur de mettre des doublures. On retrouve le soleil un peu partout là, sur nos secteurs cet après-midi, car il y aura un dégagement là, de la masse nuageuse. Les vents nord-ouest vont augmenter au cours de l'après-midi, également donc avec des rafales entre 50 à 70 km/h un peu partout. Avec le passage du front froid, il y a une baisse des mercures avec un refroidissement éolien très important cet après-midi, là, à près de moins 44 degrés et jusqu'à moins 50 degrés là, sur Charlevoix. Donc ce soir, on prévoit quelques nuages sur nos secteurs. Il y aura des vents nord-ouest avec des pointes entre 50 à 70 km/h. Il pourrait y avoir des bourrasques de neige aussi à certains endroits. Dans le creux du front froid, là, des dernières heures, le refroidissement donc, sera assez colossal. Sibérien même, entre moins 43 et moins 47 degrés, respectivement, sur Rivière-du-Loup et Edmundston, alors que sur Charlevoix, là, c'est jusqu'à moins 50 degrés. Donc voilà, usez vraiment des doublures si vous avez absolument à vous déplacer. Demain, on aura des mercures arctiques aussi en matinée. On aura une journée quand même, là, généralement, ensoleillée, là, typiquement hivernale, avec quand même des mercures dans les tendances qu'on va retrouver tranquillement là, au cours de la journée. Donc, ça va devenir un peu avec le facteur éolien, ce qu'on connaît normalement. Donc, avec toujours des rafales à 50 à 70 km/h qui vont diminuer au cours de l'après-midi. Alors voilà, maintenant, au long terme. Donc, au long terme, on va quand même avoir un système dépressionnaire là, qui persiste sur Rivière-du-Loup dimanche. On trouve quelques périodes d'ensoleillement. Mardi également, une autre crue dépressionnaire s'installe. Sur Charlevoix, de votre côté, dimanche, sera sous la neige. Un franc soleil pour lundi. Un autre système dépressionnaire avec des précipitations arrive mardi. Ensuite, bien, on trouve des belles conditions. Et en terminant sur Edmundston, bien, le creux dépressionnaire là, persiste jusqu'à lundi de votre côté. Ensuite, bien, c'est du soleil en alternance. Ça se prend bien. Au moins, les mercures qui seront dans les normales de saison. Oh, ça va faire du bien. On va l'apprécier. Courage, tout le monde. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Alors voilà, c'est complet. Soyez là, bien sûr, ce soir pour le TVA Nouvelles de 18h et passez un excellent après-midi.